Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. J'ai la carte de la mort et en dos de paquet, j'ai l'impératrice et j'ai la carte de la lune. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. J'ai le 9 de coupe qui parle de satisfaction quand même. Alors, donc, la carte de la mort, la carte de l'impératrice et la carte de la lune. Alors, moi, quand je vois la carte de la mort et la carte de la lune, j'ai envie de dire qu'il faut avoir foi en l'avenir. Que les choses ne sont pas si sombres, que les choses ne sont pas si noires, vous voyez, j'ai envie de dire ça. Quand je vois l'impératrice, il y a quelque chose peut-être d'important qui peut vous permettre de changer de vie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? C'est une possibilité. Alors, quand je parle d'une nouvelle rencontre, c'est pas forcément sentimental. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, pourquoi pas? C'est possible. Mais ouais. Ou alors, il y a une rupture. Ou alors, il y a une séparation. C'est la fin d'une phase de votre vie, amoureuse ou professionnelle. Bah oui, il va y avoir plusieurs possibilités, c'est une guidance générale. Après, on peut mettre fin à quelque chose parce qu'il y a quelqu'un. On peut mettre fin à une relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On peut mettre fin à un travail parce qu'il y a un autre travail. Vous voyez qui pointe le bout de son nez, c'est aussi possible. Mais ouais, c'est comme si vous deviez essayer de vous entourer de positivité et d'optimisme. Vous voyez? On essaie de s'entourer de positivité et d'optimisme. La mort. Bon. La mort, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les Gémeaux. Donc la mort parle d'une fin. Bien évidemment. La mort parle d'une transformation, parle de renouveau. Peut-être qu'on se confronte à la réalité. Peut-être que vous acceptez, enfin, vous devez accepter des changements inévitables. La mort, elle vous encourage en cette semaine à laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus pour accueillir de nouvelles expériences, pour aller vers de nouvelles opportunités. C'est ça, la carte de la mort. C'est pas du tout une carte négative. Non, c'est pas la mort de quelqu'un, hein, pas du tout. C'est la transformation, le nettoyage. On se débarrasse du passé, on avance. On avance radicalement dans sa vie en se délestant de tout ce qui encombre. On se concentre sur l'essentiel. Oui, on agit. On va se créer... On agit en créant sa propre vie, sa propre histoire. Vous voyez? Non, c'est pas ce que je voulais prendre comme jeu, c'est celui-là. Ouais. Complètement. Peut-être que vous êtes dans quelque chose de pesant, donc vous mettre fin à quelque chose qui vous pèse. Un travail pesant, une relation pesante, quelque chose dans votre vie qui est pesant. Peut-être que vous vivez dans le passé, donc vous devez changer ça. Peut-être que vous êtes dans l'immobilisme. Vous voyez? Ça peut être de l'immobilisme mental. Bah, c'est pareil, il faut changer ça. Voyez, il faut agir pour changer ça. Peut-être qu'il y a des comportements destructeurs. C'est pareil. Il faut agir pour changer ça. Il faut adapter à votre situation. Les Gémeaux, c'est rien, c'est un de mes chats. Voilà. Allez, les Gémeaux, du 30 octobre au 5 novembre, on va regarder tout ça. Ah bah ouais, vous voulez de la nouveauté, vous? Bah super. Waouh. Eh ben dis donc. Alors vous, c'est assez clair, là. Hein. En fin de compte, vous la voulez, cette transformation? À mon avis, vous la voulez. Allez, Gémeaux, du 30 octobre au 5 novembre. Le 8 de pentacle, le 3 de coupe. Gémeaux. Il y en a trop, je ne peux pas les prendre, je suis désolée. Non. Allez, encore... deux cartes pour vous, les Gémeaux. 8 de bâton. Encore une carte du 30 novembre. Du 30 novembre. Le cavalier de pentacle. Ok. Oh, bah dis donc, j'ai la carte des amoureux en dos de paquet. Oh, bah, j'ai qu'à le mettre encore plus loin. La carte des amoureux en dos de paquet qui parle de choix. Alors, la carte de la mort avec la carte des amoureux, bien évidemment. Vous voyez tout, hein? Ouais, je pense. Ok, la carte des amoureux avec la carte de la mort. Bon.
Alors, effectivement, il y a un choix à faire. Le choix de transformer quelque chose, le choix de mettre fin à quelque chose, peut-être. Ouais, un choix à faire, compliqué, difficile. Tourner définitivement le dos au passé, tourner définitivement le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Aller de l'avant, prendre le risque du changement, se lancer. Voyez? Ah ouais, peut-être que c'est ce qu'on vous dit, de prendre le risque du changement en cette semaine, les Gémeaux. Complètement. Ouais. Est-ce que pour l'instant les choses sont figées, les choses sont bloquées? C'est comme si peut-être que vous devez rester actif face à une situation. Il y a, pour moi, de toute façon, il y a des changements qui sont salvateurs. Je vais quand même le dire. Alors, on commence. As de bâton, as d'épée. Bon, ça, c'est votre état d'esprit. Vous, c'est clair, net, précis. Nouveau départ. Je veux ce nouveau départ, je suis dans ce nouveau départ, dans ma tête, je prends déjà ce nouveau départ, je veux me lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, je veux quelque chose de passionnant, je veux faire les premiers pas dans une nouvelle direction, mais c'est ça en fin de compte. Je pense que les choses sont assez claires dans votre tête, dans votre esprit. On veut de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté, un nouveau départ. Ah mais c'est, mais complètement. Ah bah oui, pourquoi? Parce que j'ai l'huile de Pentacle. Bah parce que vous souhaitez améliorer une situation. On travaille à améliorer une situation. Peut-être que vous travaillez sur vous. Hein, on peut travailler sur soi. Après, bien évidemment, on peut travailler, on peut reprendre des études, par exemple, pour avoir un meilleur travail. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Ce sont des guidances générales. Mais avec l'huile de Pentacle, ouais, moi je pense que vous voulez, de toute façon, vous voulez qu'une situation s'améliore. Voyez, peut-être que vous voulez faire des ajustements. Je sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment le fait, ouais, vous voulez améliorer une situation dans votre vie et vous travaillez à améliorer cette situation dans votre vie. Peu importe la façon dont vous y travaillez, voyez, que ce soit en reprenant des études, que ce soit en travaillant sur vous, peu importe. Votre défi, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut parler d'indépendance, ça peut parler de solitude, ça peut parler de suivre son propre chemin. Moi, je pense que votre. Bon, je vais le dire, moi, je pense que votre. Alors, peut-être sortir d'une triangulaire, je vais quand même le dire pour certains Gémeaux, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais je pense que votre défi, c'est de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, moi, avec le 3 de coupe ici. Peut-être que certains Gémeaux ont besoin de solitude pour se ressourcer. Vous voyez? Peut-être que oui, c'est possible. En fin de compte, avec le 3 de coupe ici, on se retire pour se retrouver. Ça parle d'indépendance. Ça peut pas. Ouais, ça parle d'indépendance. Peut-être que vous avez besoin, ouais, de vous retirer pour vous retrouver. Peut-être que, ouais, il y a de l'épuisement. Peut-être que vous avez de la peine et du chagrin, mais. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais moi, pour moi, vous pouvez mettre fin à des soucis, de toute façon. Vous pouvez mettre fin à des soucis. Ce qui vous aide, c'est l'huile de bâton. Bon, l'huile de bâton, ça bouge. L'huile de bâton, ça avance. L'huile de bâton, ça parle de changement. Ouais. La mort et l'huile de bâton, ouais, ça parle de changement. Ça parle d'énergie, d'action. On progresse. Voyez, on avance. Ce qui vous aide, c'est vraiment un changement qui va être significatif. Voyez. Ce qui vous aide, c'est d'avancer avec confiance. C'est ce qui vous aide, clairement. Bon, j'ai le cavalier de Pentacle. J'ai le cavalier de Pentacle qui parle de méthode. Le cavalier de Pentacle, c'est la méthode. Il est pragmatique, ce cavalier de Pentacle. Ouais. Il multiplie les efforts pour arriver à ses fins. Voyez? Ça ne parle pas de résultats immédiats. Non, non, non. Moi, alors, on va la recouvrir. Je pense que ce cavalier de Pentacle ici vous parle d'affronter des choses avec sérieux, peut-être. C'est possible. Peut-être que de mettre en œuvre des choses que vous préparez depuis un moment. Peut-être que le cavalier de Pentacle ici, il vous dit qu'il faut arrêter, il faut cesser d'hésiter. Et qu'il est temps de vous mettre en action, puisque ce qui vous aide, c'est l'huile de bâton. Donc oui,
Voyez. Je pense que c'est ça. De toute façon, on va recouvrir des cartes. Le cavalier de Pentacle peut dire qu'il faut tenir bon. C'est le seul moyen d'atteindre votre but. Mais au vu de la guidance, j'ai envie de dire que peut-être que vous préparez quelque chose depuis un moment. Et que, ouais, arrêtez d'hésiter. Arrêtez de vous poser des milliers de questions sur la pertinence de ce que vous voulez faire. Il est temps de vous mettre en action. J'ai quand même envie de le dire. Ah, j'ai mon Lulu qui se réveille. Allez, je vais recourir la carte de la mort. Il est possible que j'aille le chercher. Hein. Je ne peux pas faire de pause, donc ne m'en voulez pas. S'il est trop, si c'est trop sonore, j'irai le chercher. Allez, on recouvre la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on a? Et c'est quand même assez hallucinant parce qu'on avait la même chose. Donc c'est dingue. Enfin, c'est dingue, pas non plus. Hein. Mais ouais, quand même. Donc la carte de la mort, la transformation, on se débarrasse de ce qui du passé, on nettoie, on avance, on déconstruit pour reconstruire, hein, on se débarrasse de ce qui encombre. Et je pense que l'impératrice ici vous parle d'audace, vous parle de passer à l'action avec audace et confiance en cette semaine. Waouh! Ah ben, je ne l'avais pas vu. Je viens de voir la tour, la mort et la tour. Ok, très bien. Il y a des choses instables, de toute façon. Il y a quelque chose qui est complètement instable. Il faut mettre fin à cette instabilité. Vous voyez? C'est ça. Ça parle de libération, la carte de la tour. Ça peut parler de la fin d'une relation importante. La nécessité de faire des deuils, de tourner une page pour avancer, pour réaliser des projets. Vous voyez? Complètement. Vous devez passer à l'action. Peut-être pour arrêter de vous... comment je vais le dire? Arrêter de vous... de vous négliger, j'ai envie de dire ça, pour certains Gémeaux. Mais c'est parfois, il faut savoir penser à soi. Pour moi, ouais, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a une porte qui se ferme, il y a des bouleversements qui sont providentiels, oui, qui sont salutaires. Moi, je pense que, oh bah oui, puis en plus, soit vous êtes stratège pour sortir d'une situation, mais peut-être que vous apprenez une trahison, mais en tout cas, c'est vraiment sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ouais. Je recouvre l'as de bâton. Alors ouais, on peut mettre fin à une relation parce qu'il y a de l'infidélité, parce qu'il y a de la triangulaire. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors le 3 de coupe revient. Donc effectivement, ouais, ça peut parler de ça. Après, le 3 de coupe, ça peut parler aussi d'aller vers d'autres personnes. Vous voyez? Ouais. Ouais. D'aller vers d'autres personnes, avec des personnes peut-être plus fiables. Vous voyez, c'est possible. Ouais. Ouais. On va continuer. Je vais recouvrir l'as d'épée. Ok. L'as d'épée, le 4 d'épée. Le 4 d'épée... Bien sûr, ça peut être un moment de guérison, mais moi, je pense qu'il y a une rupture. Moi, je pense qu'il y a une rupture. Alors, est-ce qu'il y a une relation en pause? Pourquoi pas? Peut-être. Peut-être que là, vous êtes en train de vous mettre à l'abri d'influences extérieures. On se recentre, on clarifie des pensées, sans l'interférence peut-être de certaines personnes. Vous voyez? Oui. C'est tout à fait possible maintenant, quand je regarde la guidance avec ce 3 de coupe. Peut-être que ce 3 de coupe, si ça ne vous parle pas d'amitié, de joie, ça parle de certaines personnes qui ne sont pas fiables, donc vous voulez prendre un nouveau départ, vous ne voulez pas rester avec ces personnes qui ne sont pas fiables, bien évidemment. Ouais. Peut-être que vous êtes fatigué, épuisé, peut-être que vous avez de la peine, peut-être que vous avez des ras-le-bol. C'est pour ça que vous voulez tant ce nouveau départ. Ouais. C'est pour ça que vous voulez tant ce nouveau départ. Le 4 d'épée, ça peut être un isolement volontaire. Ouais, on est en train de réfléchir là à ce qu'on va faire pour avancer. On prépare son prochain coup. Vous voyez, un peu comme un joueur d'échecs. C'est ça. C'est complètement ça. Il y a peut-être eu un temps de rétablissement. Et là maintenant, on a de nouveau de la force. On se prépare à avancer avec détermination. C'est clair, c'est net ce nouveau départ pour vous, je le rappelle. Je recouvre le 8 de Pentacle. Mais clairement, quoi. Mais bah tiens donc, allez, mais moi je m'en vais, quoi. J'en ai ras-le-bol.
Je m'en vais. 6 d'épée, je pars, je vais chercher mon bonheur ailleurs. J'ai l'empereur. L'empereur, il est dans l'action. L'empereur, il est déterminé. L'empereur, il prend sa vie en main. Il reprend les rênes de sa vie. Avec l'empereur, on progresse. On va vers le succès. Ce que vous voulez, c'est l'as de bâton. On l'a deux fois. Vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ. C'est ce que vous voulez avec l'as de bâton. Vous voulez faire le premier pas dans une nouvelle direction. C'est ce que vous souhaitez. Oui, marre des doutes, marre de l'indécision. Maintenant, je vais aller vers quelque chose qui me plaît, vers quelque chose que je désire. Je pense que vous n'allez plus être dans la confusion du tout. Je veux sortir de cette insatisfaction. Voyez, je remets en question des choses. Je retrouve de l'énergie, je retrouve de la motivation. Et maintenant, j'avance avec confiance. Je suis désolée, je vais le récupérer. Je suis désolée parce que ça va être extrêmement pénible pour tout le monde. Bien, chérie. Voilà, excusez-moi. Allez, Valou. 6 d'épée, donc effectivement, comme je le disais, hein, le 6 d'épée, ben on part. Ah, mais complètement, quoi. De toute façon, vous êtes déçus. Vous êtes déçus avec le 6 d'épée. Là, c'est bon, je vais vers quelque chose de plus radieux. J'arrête. En fin de compte, arrêtez de vous encombrer du passé, des regrets. Regardez vers l'avant. Il y a une nouvelle étape pour vous. Oui, complètement. Laissez derrière vous quelque chose, quelqu'un, des pensées, quelque chose qui vous restreint. Voyez ? Je vais recouvrir le 3 de coupe. Ben tiens donc. J'ai la carte du chariot. J'ai la carte du chariot. Et ouais. La carte du chariot ici qui parle d'arrêter d'hésiter, d'arrêter de vous éparpiller. Voyez ? C'est le bon moment pour faire un point sur votre vie. Peut-être sur la façon dont vous la dirigez. Vous devez reprendre les rênes et passer à l'action. Les Gémeaux, c'est votre défi de reprendre les rênes et de passer à l'action. Je recouvre le 8 de bâton. Waouh, 8 de bâton, 9 de bâton, j'adore. Ouais. Bah oui, parce que vous y êtes presque. C'est ça. Le 9 de bâton, on persévère. Vous devez persévérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. C'est ça le 9 de bâton. Le 9 de bâton, alors bien sûr, ça peut être le fait de poser des limites et de dire stop ou de dire non à quelqu'un. Moi, stop, j'arrête avec tes connes, avec tes bêtises. J'en ai ras-le-bol. Voilà, on peut poser des limites. Mais vous pouvez surmonter des difficultés, même si ça vous semble insurmontable. Vous êtes sur le point de réussir quelque chose avec le 9 de bâton. Ce qui vous aide... c'est de ne pas laisser ni la frustration ni la fatigue vous décourager. Le 9 de bâton est un signe d'espoir et d'encouragement. Voyez, on peut atteindre un objectif. C'est ça, on ne renonce pas. Vous êtes sur le point de voir la lumière au bout du tunnel. Restez résolu, continuez à avancer, mais c'est ça. Allez, je recouvre le cavalier de Pentacle. Et ouais, bah ouais, bah oui, bah pourquoi pas. C'était même, oui, 6 d'épée, on avait tout à l'heure 5 de coupe. 5 de coupe, on est déçu, on est dans les regrets, il y a un deuil à faire. On est profondément déçu de quelqu'un, de certains événements, de certaines circonstances. On a tout donné ce qu'on avait, on a tout essayé, ça ne s'est pas déroulé comme on le voulait. On a perdu une bataille, on est fatigué, on est triste, on est dans l'amertume. Mais le 5 de coupe est là pour vous accompagner à l'étape suivante. On ne s'accroche plus aux souvenirs, on ne s'accroche plus au passé, on ne revient pas en arrière. Peut-être que vous vous dites « Ah ben j'ai fait une erreur », et alors tout le monde fait des erreurs. On arrête avec les regrets, on arrête avec les remords. Là, on vous guide vers la prochaine étape. Il est temps d'aller vers la prochaine étape. D'aller vers la prochaine étape. Il est temps de reprendre votre chemin. Voyez, on peut tirer des leçons de ce qui s'est passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Mais on va vers un avenir meilleur. Il y a une opportunité de croissance et de transformation pour vous, les Gémeaux. Allez, je remets une avec le cavalier de Pentacle et le 5 de coupe. Eh ouais.
tournez-moi le dos à tout ça. Et en plus, allez, prise de tête, arrêtez de perdre votre temps avec des futilités, avec des gens qui n'en valent pas la peine, avec des gens qui mentent, qui trahissent. On pose les armes, on passe à autre chose, voyez. Arrêtez de perdre votre temps. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Eh ben, j'ai le 3 de bâton. Bah ouais, bah j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le 3 de bâton. On planifie les choses. Voilà, bah oui. On vous pousse à avancer sans relâche. Il y a peut-être quelque chose de passionnant qui peut s'offrir à vous. Voyez, peu importe. Ça, bien sûr que ça peut être à travers la poursuite d'études, de voyages, de création d'entreprises, d'exploration de nouvelles compétences, de déménagement, de nouvelles rencontres, mais peu importe. Voyez, c'est ça. Oui. Oui. Mais complètement. Le 3 de bâton, il vous encourage à avoir confiance. Il vous encourage à rester ouvert aux nouvelles expériences, à embrasser une occasion d'évoluer et de grandir, et de ne pas rester tout rabougri, là, tout coincé dans quelque chose. N'ayez pas peur de vous lancer. Vous voyez ? Oui. Peut-être que là, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps dans une relation, dans un travail, mais peu importe. Vous voyez ? Ouais. Il y a vraiment... Il y a vraiment, on vous encourage vraiment à avancer. C'est ça, cette pitance. Peu importe le domaine, peu importe votre situation. Je ne dis pas que c'est facile de faire des deuils. Je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au bout d'un moment, si on veut avancer, il va falloir planifier la suite. Il va falloir vous élancer. Il va falloir vous mettre en mouvement. Vous voyez ? Oui. Le 3 de bâton vous invite au mouvement. Le mouvement, il apporte la croissance. C'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça. Elle n'est pas négative, votre guidance, les Gémeaux. Non, elle ne l'est pas. Mais il y a un mouvement important à faire dans votre vie. Alors, peu importe la sphère de vie, mais c'est ça. Et dans ce mouvement, il indique un progrès qui se fait dans la bonne direction. Voyez plus loin, voyez plus grand. Prenez la décision d'aller de l'avant. Peut-être qu'on planifie un départ, hein, mais c'est vraiment ça. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux, du 30 octobre au 5 novembre. Gémeaux du 30 octobre au 5 novembre. Allez. Les croyances périmées, ah, c'est moche. Allez, Gémeaux du 30 octobre. Bon, on en a tous, hein, de toute façon, tous et toutes. Zen, alors on reste zen, les Gémeaux. On se détend, on boit un verre d'eau, de ce que vous voulez. On se relaxe, voyez. Vous en avez besoin, vous avez besoin de vous détendre et de vous relaxer. Et, je ne sais pas si je l'ai dit adapté en genre. Et vous avez besoin de faire un grand ménage dans ce que vous jugez possible ou non, parce que les croyances périmées vous érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que vous cherchez ensuite un moyen de vous en libérer. On jette certaines croyances au recyclage. Ouais. C'est la mort pour vous, les Gémeaux. C'est la mort. C'est pas la mort de quelqu'un. C'est la transformation. C'est le changement. C'est se débarrasser, c'est se nettoyer, c'est avancer, c'est détruire pour reconstruire. On arrête avec le passé, on arrête avec les choses pesantes. Vous voyez ? Non, 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 non. Agissez en créant votre propre vie, votre propre histoire. On vous demande en cette semaine d'avancer radicalement dans votre vie, les Gémeaux. Vous avez la possibilité de le faire. Délestez-vous de tout ce qui vous encombre. Agissez. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.